Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'historien, homme politique, éditeur et auteur prolifique, Denis Vaugeois, nous ramène à ce jour fatidique du 10 février 1763, où la France cède à la Grande-Bretagne par le traité de Paris, la Nouvelle-France et diverses autres possessions à travers le monde. Le duc de Choiseul a convaincu le roi Louis XV de préférer le sucre et le poisson. À la fourrure. Voyons pourquoi. Le, premier, le traité de Paris, celui de, du 10 février 63, 1763, parce qu'il y en a plusieurs, le traité de Paris, met fin à la guerre de sept ans, une guerre qui est, qui est mondiale. Donc, ce que j'ai découvert, je vous l'avoue, en préparant cette conférence, j'ai découvert qu'il y avait eu deux traités pour mettre fin à la même guerre. J'espère que je l'apprends à quelques-uns d'entre vous également il y a eu le traité d'Ubersbourg. Ubersbourg, Ubersbourg c'est en saxe. Et là, vous avez d'autres puissances, des puissances européennes, comme la Prusse, l'Autriche, qui, qui ont signé cette, euh, cette paix-là. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle de Paris. Celle de Paris a 27 articles, dont quatre qui traitent du Canada, ce qui montre bien que même pour le traité de Paris, entre la France, l'Angleterre, euh, l'Espagne et le Portugal, même pour ce traité-là, ça, ça correspond, ça traite de toutes sortes de points, de points dans le monde, comme l'Asie, l'Afrique, euh, bien sûr l'Europe et l'Amérique. Donc quatre articles qui traitent de l'Amérique. Euh, L'Amérique était, il faut le dire, c'était pour les Français, c'était une entreprise colossale. Champlain avait vu grand. Talon avait été efficace. Frontenac audacieux. Iberville indomptable et visionnaire, encore méticuleux, légationnaire, lucide, les vies héroïques. Vous allez me dire que j'en mets un peu en partant, peut-être, mais retenez qu'il s'agit de 30 000 Français qui sont venus en Amérique sur 150 ans et tout au plus 12 000 qui ont fait souche. La Nouvelle-France a été d'abord l'Amérique franco-indienne. Les, euh, les Français l'ont marché. L'ont exploré, l'ont reconnu, l'ont nommé, l'ont cartographié. À côté, il y a 13 colonies anglaises qui font leur apparition. Et aujourd'hui, il y a les États-Unis qui sont assez près de nous autres. Je rappelle que la moitié des États américains ont des noms indiens. Ces noms indiens ont été relevés par les Français et donnés à des portions de territoire et finalement sont passés comme noms d'États américains. Ce, ce qui est assez extraordinaire, parce que si vous regardez les États, les 13 colonies elles-mêmes d'origine, ce sont des noms anglais. Vous avez le New Jersey, le New York, la Virginie, la Caroline, le Maryland, la Géorgie, le Delaware, la Pennsylvanie, le New Hampshire, le Rhode Island. Tous ces États portent des noms euh, euh, d'Angleterre. Il y a deux exceptions, le Connecticut et le Massachusetts, où là vous avez des noms indiens. Donc il y a là, il y a là quelque chose, il y a là, déjà une première constatation, si vous voulez. Les 13 colonies sont peuplées par des, des réfugiés. Des fois, on, on parle parfois du génie colonial anglais, le génie colonial anglais. Mais le génie colonial anglais, concrètement, c'est des révolutions qui font que les gens fuient. Hein, c'est 1648, c'est 1688. Les gens fuient par milliers, par centaines de milliers même, pour venir s'installer dans un endroit qui leur paraît plus, plus propice, en tout cas, pour se, se développer, s'organiser, puis être en sécurité, sur la côte atlantique. Les Français, eux, la France, malgré les défauts qu'elle peut avoir, la France est un pays unifié, où il fait plutôt bon de vivre, malgré tous les défauts qu'on peut trouver. Et ces gens-là arrivent donc en petit nombre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et ce sont surtout des hommes, qui viennent ici pour la fourrure, et aussi un petit peu, ou beaucoup, pour la liberté que proposent les postes des pays d'en haut. Cette Nouvelle-France va prendre presque les dimensions d'un continent. Et le journal Gros, dans un de ses plus beaux livres, « Notre grande aventure », Raconte cet épisode. On, on sent que Shannon est vraiment en admiration, il est conquis lui aussi. Ces Français et Canadiens ont bâti grand, trop grand peut-être. Leur œuvre n'en reste pas moins imposante. Elle est de celle qu'on n'efface pas de l'histoire. Dans l'immense Amérique, un petit peuple avait pris les bouchées trop grosses. Trop de postes, trop peu de troupes. Shannon Gros est vraiment, vraiment tourmenté. D'un côté, il est admiratif, puis d'autre côté, c'est trop gros, c'est trop gros, c'est un colosse au pied d'argile. Mais il défendra quand même la pénétration du continent par les Français en disant ils sont allés là où c'est important, au cœur du continent, là où d'où part l'essentiel de ce continent. Tout ça était fragile et très rapidement, des, des explorateurs l'ont constaté. D'Iberville est un des plus, les plus clairvoyants à cet égard. Vous connaissez probablement ce texte de Diberville qui dit, en 1701, « Au moment où se signe la peine de Montréal, lui est quelque part dans le sud, puis il dit là, il faut faire attention. » Ici, les nations, les, les, les colonies anglaises se développent à un rythme tellement rapide que finalement, elles vont être assez fortes pour nous chasser, pour chasser les Français si on ne fait pas attention. Il, il y dira textuellement, « La colonie anglaise qui devient très considérable s'augmentera de manière que dans moins de 100 années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique » et en chassait toutes les autres nations. D'Iberville oubliait peut-être une petite chose, c'est que les 13 colonies étaient quand même divisées entre elles. Même si en, en 1700, par exemple, au moment où il écrit ça, les colonies anglaises avaient à peu près 275 000 personnes, la Nouvelle-France en avait 16 500. En 1760, l'ensemble de la Nouvelle-France compte à peu près 90 000 habitants. Alors que les colonies anglaises en comptent un million et demi. Après Diberville, il y aurait un autre administrateur français qui va sonner la, la, la cloche d'alarme, c'est la Galissonnière. La Galissonnière, lui, c'est vers 1750. La Galissonnière dit, il faut vraiment peupler. Il faut vraiment amener des gens. L'immigration est nécessaire. Là, il dit, regarde ici, c'est merveilleux, là, le taux de natalité. Ça, c'est merveilleux, mais ça ne suffira pas. Là, il faut faire venir des, des soldats qui vont nous protéger, mais qui vont devenir éventuellement des bons colons. Mais il vient à l'esprit que peut-être que la France va hésiter à l'écouter. Là, il écrira ceci. Il va refuser un abandon pur et simple. Il envisage en 1750 que la France pourrait penser ou se rendre jusqu'à l'esprit de l'idée d'un abandon. Alors voici ce qu'il écrit. Les motifs d'honneur, de gloire et de religion ne permettent point d'abandonner une colonie établie, de livrer à eux-mêmes ou plutôt à une nation ennemie. Par goût, par éducation, par principe de religion, les Français qui y ont passé à la persuasion du gouvernement sous l'espérance de sa protection et qui la méritent singulièrement par leur fidélité et leur attachement. Je ne leur lirai pas ce texte-là, mais il est important. La Gaulissonnière, vraiment, pouvait venir les choses et dit on ne peut pas faire ça. Ces gens-là ne sont pas venus d'eux-mêmes, on les incitait à venir. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce moment C'est que les 13 colonies anglaises se peuplaient rapidement puis était ambitieuse. Ces gens qui sont venus, qui sont réfugiés avec leur famille, convoitaient la terre. Les Indiens ne les intéressaient pas. Ils convoitent la terre vers l'est. Vers l'est, ça nous conduit au traité du d'Utrecht et à, à, au drame acadien. Une fois qu'ils ont… On l'oublie souvent, le traité d'Utrecht, là, on dit, bon, l'Acadie qui disparaît, Terre-Neuve et la baie -du Ton. Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est que les 13 colonies vont pouvoir s'étendre jusqu'à la hauteur d'Halifax, jusqu'à Terre-Neuve. Hein? Une fois qu'ils ont réalisé ça, alors là, ils regardent vers l'Ouest. Et vers l'Ouest, mais là, ils, sont, ils se disputent ailleurs entre eux. Ils convoitent donc euh, l'Ouest. Et c'est là que la vraie guerre va commencer en 1754, dans, quand euh, Washington et Jumonville, j'allais dire, vont s'affronter, mais ils s'affrontent pas parce que Jumonville euh, est attaqué sournoisement par les troupes de Washington. Pendant que l'incident à Jumonville se produit, on est en 1754, à Albanie, vous avez une réunion des colonies anglaises. Il y a, je crois, une dizaine de représentants de colonies qui sont là. Et Franklin se présente en disant Écoutez, là, on est 13 colonies, on a un ennemi en face de nous, lui qui est unifié. D'ailleurs, les Indiens ils disaient, ils disaient Vous autres, on ne sait pas qui parle juste en, entre vous. L'un dit une chose, l'autre dit le contraire. le cas des Français, il parle d'une voix. Un ancio, quand un ancio parle, il parle d'une voix. Alors, il faut que vous vous mettiez d'accord. Trouvez-vous un représentant si vous ne pouvez pas vous entendre. Alors, Benjamin Franklin dit « Bon, écoutez, on va faire mieux que ça. On va se réunir. On va faire une fédération. On va avoir un plan qui va nous réunir, nous, les 13 colonies. » Tout le monde applaudit. On prend le vote. Personne vote pour. Quand Londres constate ça, bien là, Londres dit « Bon, écoutez, on va prendre des grands moyens. On va nommer un surintendant des affaires indiennes, ça va être William Johnson, puis on va nommer un commandant en chef pour euh, réunir les troupes britanniques qu'on envoie et les milices. » Le, le, le militaire en question, il s'appelle Braddock. Alors ça, c'est un moment agréable, excusez <laughs> de dire ça, un moment agréable parce que Braddock arrive avec son assurance de Britannique, il décide qu'il sait comment ça va se passer. Johnson lui donne quelques conseils, il dit non, M. Johnson, oubliez ça. Alors il n'y a pas question. Alors on va faire à notre manière. Et c'est la bataille de la Manonegala. Et là, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, Braddock lui-même va trouver la mort. Et, et il laisse à côté de lui... Euh, il y a sa sacoche, quoi, euh, avec des documents. Et quand on ramasse le cadavre, on ramasse sa sacoche. Et dans la sacoche, on est en 1754, il n'y a pas de guerre à déclarer entre la France et l'Angleterre, mais dans la sacoche, il y a un plan d'invasion du Canada et de destruction du Canada. Alors là, vaudrait dit il n'y a, a, a plus rien à se cacher, on sait à quoi s'en tenir. Alors, la sacoche se ramasse à Paris et la guerre va éclater pour de bon. C'est de la place pour les sacoches. Cette guerre qui va éclater va être vraiment, pour les Américains, une French and Indian War. French and Indian War. Une, une guerre franco-indienne. Et derrière la guerre franco-indienne, il y a les Canadiens qui tirent leur force, une certaine force, de la complicité avec les Indiens. Et ça, William Johnson l'a bien compris. Et je me suis rendu compte, au fond, que euh, là, j'arrive à 3D, 3W. J'ai écrit ici 3W. William Johnson va faire la différence parce que son objectif c'est de neutraliser euh, les, les alliés amis des Français. Il faut vraiment qu'ils les amènent sur le terrain de la neutralité, si possible alliés, mais à la limite au moins qu'ils restent neutres. Ça c'est pour William Johnson. Il y aura une bataille à William Henry que les Français vont gagner, mais après la bataille, Monkland perd le contrôle, les Indiens euh, vont massacrer les gens qui sont rendus et ça va être vraiment l'horreur. Vous avez un deuxième W, William Henry. Ce n'est pas un individu, mais ça m'aide à suivre, si vous voulez. Donc, un William Johnson, un William Henry. William Johnson va faire la différence parce qu'il est très habile. Et William Henry, qui est un fort, à cause du massacre, qui va être raconté partout, qui va être répété, William Henry va enfin mobiliser les troupes miliciennes dans les 13 colonies. Là, c'est la goutte d'eau, si vous voulez. Et l'autre W, c'est William Pitt, qui ne s'était pas encore manifesté mais William Pitt qui arrive aux commandes. Alors, lui, lui il sait où il veut aller, c'est la destruction de la présence française. Donc, en 1758, pas une coïncidence, mais ces trois éléments-là font que le vent tourne. Vous avez, en 1758, la prise de Louisbourg. Et on raconte que quand William Pitt apprend la prise de Louisbourg, il est vraiment excité. Et ça, c'est Anderson qui le raconte, puis Anderson, lui, est pas excité. Donc, s'il dit… Hein, ce fameux Louisbourg qui est tombé. D'ailleurs, Louisbourg, il faudra en reparler parce que c'est difficile pour nous de comprendre l'importance de Louisbourg, pour contrôler le Golfe. Il faudrait vraiment être un peu distrait pour penser que Louisbourg permettait de contrôler le Golfe. Mais de toute façon, les Anglais ont attaqué Louisbourg et s'en sont emparés. Qui est à Louisbourg? Amers Wolfe, deux de nos amis. Le chanoine n'a pas tort. Louisbourg est une farce tragique. Lorsque la France, en 1713, décide de faire de cet exceptionnel port naturel une redoutable forteresse capable de protéger sa frontière atlantique, soit l'entrée du fleuve Saint-Laurent, elle n'y voit aucun embêtement. Une simple batterie de canons suffit pour garder le seul passage existant pour pénétrer à Louisbourg. Mais la mère Patrie voit grand. Elle y engloutira de 30 à 45 millions. Voici comment le Boréal Express, journal d'histoire du Canada, 1524-1760, dépeint l'endroit 30 ans après la mise en construction de ses murailles. Louisbourg est le centre d'une activité économique intense. Les Mi'kmaq y viennent vendre leurs pelleteries, les Acadiens y amènent leurs animaux de boucherie, les pêcheurs des deux continents y font escale, le commerce maritime entre la France et ses colonies d'Amérique y aboutit comme sur une plaque tournante qui commande toutes les routes. Et M. Bigot, l'ordonnateur général, est en train d'y mettre sur pied l'exploitation de mines de fer qu'on dit très riches. Mais cette vie si dynamique se déroule dans des fortifications et des baraquements mal construits, désagrégés par le froid et encore inachevés. La garnison sur place, mal payée, mal nourrie et mal logée, parle de détournement de fonds, de matériel venu de France pour le fort et vendu secrètement à Boston, de soldes détournés venant alourdir les poches d'un certain bigot. Pas étonnant que Louisbourg tombe en 1745 et retombe aux mains des Anglais en 1758. Entre ces deux prises, presque aucune réparation n'ont été effectuées. Ainsi, le sort tragique de Louisbourg signe la mort de la colonie française. Certes, il reste encore Québec, mais pour combien de temps? Au moment où ils viennent à bout de Louisbourg, Amherst apprend qu'Abercrombie vient de se faire massacrer à Carillon, ou à Ticonderoga, par, par Montcalm. C'est pas possible. Pas possible. Puis là, il connaît le rapport des photos, 15 000 contre 3 000, quelque chose comme ça. Il dit il faut que j'aille l'aider. Il, il est à Louisbourg, faut il faut qu'il aille l'aider. Mais en fait, Amos s'arrange toujours pour ne pas être là quand il y a de l'action. <laughs> Alors, Amos, donc, se précipite au secours de Abercrombie. Et tandis que Wolf, dit là, il dit moi, j'attaque, on est en 58, je m'en vais vers Québec. Je vais attaquer Québec. Puis là, il dit non, regarde là. Alors, OK, là. Tu vas arriver trop tard. Ça le fatigue. Lui, il voudrait aller attaquer Québec. Mais il comprend finalement qu'il ne faut pas. Donc, il dit « Ok, je vais faire des exercices. » Et là, il s'en va vers la Gaspésie, puis là, il rase tout ce qu'il peut, il détruit les installations de pêche. Et là, il se fait la main. Puis là, en même temps, c'est que la guerre, c'est aussi s'aimer la terreur. Hein. Donc, là, il sème la terreur. Puis en même temps, il nettoie parce qu'effectivement, quand ils vont revenir, il est sûr qu'il n'y aura pas de blocage là parce qu'il n'y aura, aura plus de présence française. Moncton, lui, il s'en va du côté de la rivière Saint-Jean. Et là, on détruit les habitations des Acadiens qui avaient échappé, qui avaient échappé à la déportation. La déportation, c'est 5 000 à 6 000 personnes qui sont déportées. Mais ça, ce n'était pas encore assez pour eux autres. On est à la déportation, c'est 55. En 58, on trouve qu'il y en a encore trop. Et on décide donc de, de nettoyer. Quand on, quand on examine les auteurs anglais, Canadiens anglais ou britanniques, sur cet épisode de la déportation, j'étais curieux de voir qu ce qu'ils raconteraient. Anderson, par exemple. Il parle de nettoyage ethnique. Mais il dira On a pris comme prétexte qu'ils n'avaient pas prêté le serment. Et il dit La vraie raison, c'est qu'on convoitait leurs fermes. Creighton, lui, qui a encore un plus franc, lui, il dira Ce qu'on voulait, c'était les fermes. Le reste, c'est des prétextes. Donc, on est, on est au lendemain. Là, écoutez, après avoir nettoyé comme ça, massacré, on rentre, on rentre en Angleterre. Et là, c'est l'année 1759. Là, c'est vraiment, cette fois-là, c'est la vraie, c'est la conquête du Canada. Amers dit Bon, je vois, moi, je vais y aller par le lac Champlain. C est, c est, il, aime, il aime le coin. Il dit Je vais y aller par le lac Champlain et puis euh, je, vais, je vais arriver euh, à Québec à temps pour donner un coup de main à, à Wolfe, qui lui va venir par le Saint-Laurent. Il dit à un ami prido, toi, tu t'en vas à Niagara, tu nettoies Niagara, puis tu vas ramasser en même temps à puis le Fort-Frontenac, tu remontes de Saint-Laurent. Tu viens de rejoindre, tu es capable. Et à côté de ça, c'est Wolfe, lui, qui remonte de Saint-Laurent. Wolfe va se rendre à Québec au début de juin. Et là, vous avez 1759, j'ai le goût de parler quand même de trois batailles, parce qu'on parle toujours de, de la bataille des plaines d'Abraham, qui a à peine eu lieu. Hein? Tandis qu'avant, il y a eu la bataille de Montmorency, parce que Wolfe, il voulait débarquer quelque part, il s'est essayé à Beauport, et là, il a été repoussé. Il a perdu, je pense, une... Quelques centaines, au moins 200 euh, soldats, alors que Lévi, bien retranché, apparemment n'a pas perdu un seul homme. Écoutez, l'humiliation totale pour Wolfe, là, fin, fin juillet. Par ailleurs, si on va à la bataille des Pènes d'Abraham, qui, qui est le, le coup de chance, et pour, Wolf, pour euh, Frégo, c'est aussi un peu une, une erreur, là, il y aura apparemment victoire. Mais c'est une victoire qui a été construite qui a été construite. Wolfe étant mort, la nouvelle se répand, et là, on en fait un héros. Et Pitt, d'ailleurs, orchestre ça à, à Londres. Hein. La presse britannique, écoutez ça, la presse britannique le compare, oui, Wolfe, hein, la presse britannique le compare à Hannibal, à Scipion, à César, et Epaminondas. Eh oui, Epaminondas. J'ai cherché un dictionnaire. Québec était la ville papiste, la ville papiste par excellence. Elle a été détruite. Murray écrit J'ai marché à travers la ville. Non, il dit Je n'ai pas marché à travers la ville, j'ai marché dans des ruines. Là, on a commandé à Richard Schott des gravures, des gravures pour montrer ce qu'était Québec et maintenant ce qui est devenu Québec. Et là, vous avez d'énormes bâtiments, hein, c'est gigantesques, des églises, des monastères, puis vous avez du petit monde à travers ça. Tout, est, tout est, euh, les perspectives sont faussées, mais pas par un défaut de l'artiste, volontairement. Le, le, le bijou, c'est la place royale. L'église notre dame -en des victoires qui est minuscule, c'est euh, une grosse église qui est en ruine, évidemment. De chaque côté, d'immenses édifices avec du timon autour, une immense place. Donc, une ville pépiste qui a été anéantie. Wolfe est mort. Amers, lui, <laughs> est encore pris dans le bout de l'île aux Noirs. A, parce que lui, à chaque fois qu'il prend un phare, Bourlamac met le feu à un phare, fait sauter le phare. Alors, lui, il prend le phare, il le reconstruit, puis il continue. Mais il ne peut pas se rendre comme ça. En fait, la, la bataille des plans d'Abraham, c'était déjà écrit dans le ciel, à la limite. Là, même si elle avait vraiment eu lieu, puis elle avait duré un certain temps. C'est que, déjà, mon camp savait qu'on lui rendait la tâche impossible. Euh, vous avez, euh, c'est au début de l'année, euh, Berrier... Écrit euh, Montcalm. Euh, Tenez-vous à une simple défensive. Tâchez de vous maintenir encore durant cette campagne. Tirez le meilleur parti qui sera possible des milices du pays. Au besoin, conciliez les besoins de la guerre et la culture des terres, parce qu'ils n'ont rien à manger. Hein. Et tirer le meilleur parti des Indiens qui ne sont encore fidèles. Quant aux autres, essayez de les garder dans la neutralité. Bélil, lui, pour encourager Montcalm, lui écrit quelques jours après. Vous ne devez point espérer de recevoir des troupes de renfort. Parce que si on, si on vous en envoyait, vous ne seriez pas capable de les nourrir. Hein? Puis de toute façon, les Anglais le seraient, puis y en, en enverraient encore plus. Alors, alors finalement, euh, Wolfe euh, Wolf avait, avait, avait une victoire à portée de main, et puis il avait, pour euh, Montcalm, il y avait une défaite qui était écrite dans le ciel. Après la bataille des Plaines d'Abraham, la capitulation de Québec, Wolfe, euh, excusez, Lévis, qui était à Montréal pour protéger Montréal, Lévis arrive. Et, euh, et là, c'est trop tard. Alors, Lévis va se replier sur, euh, sur Montréal, mais en se disant « je vais me reprendre au printemps ». Et la troisième bataille de Québec, c'est celle du printemps de Sainte-Foy, 1760. Celle-là, c'est une autre vraie bataille, où là, Meuré, qui, qui a gardé Québec durant l'hiver, Meuré va sortir pour affronter euh, Lévis, pense le prendre par surprise à Sainte-Foy. On se bat quasiment à la même place que la bataille des plaines de Abraham, du 13 septembre 59. Et... Euh, et là, Lévi a le dessus. Lévi, c'est vraiment une merveille, ce type-là. A le dessus, euh, Murray est obligé de se replier, de retourner à l'intérieur, et là, Murray fait ses prières, puis regarde le fleuve. L'horreur est bien palpable dans le récit qu'en fait une religieuse de l'Hôpital Général de Québec au lendemain de la bataille de Sainte-Foy. Cette relation de ce qui s'est passé au siège de Québec et à la prise du Canada s'adresse à une communauté de son ordre en France. En voici un extrait. Il faudrait une autre plume que la mienne pour peindre les horreurs que nous eûmes à entendre pendant 24 heures que dura le transport des blessés. Les cris des mourants et la douleur des intéressés. Il faut dans ces moments une force au-dessus de la nature pour pouvoir se soutenir sans mourir. Après avoir dressé plus de 500 lits que nous avions eus des magasins du roi, il en restait encore autant à placer. Nos granges et nos étables étaient remplies de ces pauvres malheureux. On ne voyait que bras et jambes coupés. Pour surcroît d'affliction, le linge nous manqua. Nous fûmes obligés de donner nos draps et nos chemises. Nous ne pouvions espérer de secours des hospitalières de Québec. Les Anglais s'étaient emparés de leur maison, ainsi que de celles des Ursulines et des particuliers, pour loger leurs blessés qui étaient encore en plus grand nombre que nous. Alors, l'assaut final se prépare, c'est la rencontre de trois armées pour 1760. Alors, encore là, c'est Amos qui se réserve le lac Champlain, Uh, Amus, uh, excusez, excusez, là, c'est des de qui va faire le lac Champlain. Amus a décidé de remonter Saint-Laurent. Et puis, Murray va, va quitter Québec. Alors, ces trois, ces trois armées-là vont arriver à Montréal au début septembre, à quelques heures d'intervalle. C'est quand même admirable. Tu sais, Amus a réuni ses troupes à Oswego, sur le lac Ontario, il remonte le Saint-Laurent, s'arrête à Fort-Lévis, qui est entre les mains des Français, soumet le Fort-Lévis où était Pouchot, le lendemain ou quelques jours après, William Johnson rencontre des Indiens et leur dit Vous vous tenez tranquille, hein? ça, ce n'est pas, pas votre guerre. Laissez-nous régler ça entre nous autres. Et, euh, et puis, euh, on, on, va, on va vous protéger. Et effectivement, cette, cette attitude-là de, de William Johnson va, va faire une grosse différence parce qu'au moment, ça, c'est le 30 août, quelques, deux jours après, Lévi est à la prairie, il réunit ses Indiens pour leur dire Là, ça s'en vient, le grand coup, là, mais vous allez voir, on va avoir du plaisir d'aller vous battre à votre goût. Ça va barder. Au moment où des de convaincre, arrivent des émissaires d'Aswagatchi, de, de Fort-Lévis, pour dire « On ne se bat plus, William Johnson nous a promis, on arrête cela. » Et là, les, gens, les Indiens qui sont assis devant Lévis quittent, quittent la réunion. On est donc début septembre, c'est la capitulation de Montréal. Les troupes arrivent, sont devant Montréal. Vaudreuil dit du... « Il voit bien que les Canadiens désertent. Les Indiens sont installés dans la neutralité. Il ne quand même pas pour sacrifier euh, la population. Il dira textuellement L'intérêt général de la colonie exigeait que les choses ne fussent pas poussées à la dernière extrémité. Le 6 septembre, en soirée, le gouverneur réunit ses officiers. Bigot donne lecture d'un projet de capitulation. Vous verrez tout à l'heure que Bigot y avait mis la main. Bougainville est donc envoyé en émissaire auprès d'Amers. Amos dit très bien, il signe pas mal euh, les propositions faites par les Français, sauf qu'il refuse les honneurs de la guerre à cause des cruautés et des barbaries commises par les Indiens tant qu'à y être, par les Canadiens. Évidemment, vous connaissez cette histoire, Lévy est, est choqué, il dit il a Pas question, on va livrer un dernier, une dernière bataille, mais euh, il n'en est pas question. Vaudreuil lui dit euh, Tu te soumets, euh, on se rend. Mais en même temps, Vaudreuil a une petite idée. Il dit à Mush, OK, OK, les honneurs de la guerre, oubliez, oubliez ça, OK. Sauf que, comme on ne sait pas ce qui se passe en Europe, comme il y a peut-être une paix qui est en train de se faire, arrêtons. Arrêtons cela et attendons d'avoir des nouvelles d'Europe. À ah, monsieur je dis, qu'est-ce que tu penses? Hein? Non, 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 capitulation term terminée, signée, on prend possession. Tu renvoies tes Indiens et c'est terminé. Et on voit par les, la capitulation de Montréal qu'il n'y a rien d'improvisé. C'est euh, vraiment, au fond, les Canadiens et les Français s'étaient préparés. Vous avez donc, avec la capitulation de Montréal, une défaite, une défaite qui vient rejoindre celle de, de, qui a précédé. Je pense en particulier à celle du 13 septembre 1759, même si je prétends que ce n'est pas réglé grand-chose. Mais il y avait quand même eu une capitulation de Québec. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'au fond, pour les Français, les pêches étaient très importantes. On n'en parle jamais. On, en, on, parle toujours, tout, on est toujours axé sur la fourrure. On parle jamais des pêches. Sauf que là, on apprend, avec le traité du Trek, que ce qui les intéresse, c'est de garder un accès aux pêches. Et dans le traité du Trek, l'article 13 dit on va regarder là, les, 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 les échafauds et les, les installations pour pouvoir maintenir, maintenir la pêche. Donc, leur préoccupation, ils laissent tomber les gros morceaux, mais ils veulent garder la pêche. Il reste que pour l'historien, d'habitude, il grouille de ceux-là. Pour lui, c'est le traité d'Utrecht, c'est le commencement de la fin. Et les auteurs de Canada-Québec disent 1713 annonce 1763, en ajoutant que la différence est que, pour l'instant, la Nouvelle-France demeure dans l'orbite de la colonisation française. Mais le traité d'Utrecht, on ne l'a pas bien regardé, et finalement, quand on a le traité de Paris sous les yeux, on se rend bien compte que ça se préparait. À la fin du traité d'Utrecht, Pontchartrain, qui est ministre, vont dire Bon, écoutez, l'Acadie, on ne sait pas trop ce qui va arriver, là, mais on l'a cédé avec ses anciennes limites à essayer de savoir où est -ce que sont les anciennes limites. Puis il dit Comme je m'attends à ce que les habitants ne prêteront pas le serment à la couronne britannique Bien, au fond, c'est simple. Ils ont juste à s'en aller à l'île du Cap-Breton. Il n'y a une affaire de rien, tu laisses ta maison, puis il part, puis va t'installer à l'île du Cap-Breton. C'est parfait. Et là, et là le, 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 Pontchartrain insiste à, auprès du gouverneur, du de, 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 de s'en aller à, à l'île du Cap-Breton. Évidemment, quand la, la nouvelle de la capitulation de Montréal arrive à, à Paris, en même temps que des officiers, en même temps que les, les troupes, à Paris, il faut trouver des responsables. Le euh, Belle-Île, les, les lettres qu'il avait envoyées à Montcalm l'année d'avant, ça, c'est oublié. Là. C où, 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 qui sont les responsables? Les premiers officiers qui arrivent à Paris vont raconter qu'il n'y a pas eu de bataille pour livrer Montréal. Lévy qui aurait pu le dire, Lévis louange le comportement de Vaudreuil. Puis il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu un, deux, deux, un autre discours. Vaudreuil, quand il arrive, il est accueilli par une lettre de blâme. Il s'attendait à ça. Mais dans sa conscience, il a, il a épargné le pire. Le fossé entre Français et Canadiens est grand. À ce propos, le livre Canada-Québec, 1534-2000, explique que les Canadiens de 1760 ne sont pas autres que les Américains. Leurs intérêts sont en Amérique. Ainsi que l'écrit Vaudreuil, leur patrie, c'est le Canada. Le père François Xavier de Charlevoix, auteur de Histoire de Saint-Domingue et Histoire de la Nouvelle-France, les surnomme les créoles du Canada, leur reprochant leur légèreté, leur aversion d'un travail assidu comme celui de cultiver la terre, et leur quête d'aventure et d'indépendance qui les pousse à entreprendre des voyages au lieu de peupler la colonie. Ajoutons qu'à ces défauts, ils notent bien des qualités. Mais personne ne peut leur contester un génie rare pour les mécaniques. On en voit tous les jours qui réussissent dans tous les métiers sans avoir fait d'apprentissage. On prétend qu'ils sont mauvais valets, c'est qu'ils ont le cœur trop haut et qu'ils aiment trop leur liberté pour vouloir s'assujettir à servir. Comment de tels hommes pourront-ils subir la conquête à côté, vous avez évidemment Bigot, qui, lui, pourrait être montré du doigt. Bigot avait, euh, avait travaillé, euh, avait euh, rédigé euh, une partie de l'acte de capitulation. L'article 15 du, de l'acte de capitulation se lit comme suit. Si, L'article 15 prévoyait un vaisseau, citation, pour le passage de M. Bigot, intendant, et de sa suite. Manquait que les officiers se repartissaient sur plusieurs bateaux. Vaudreuil pris un bateau comme les autres. Mais dans le cas de M. Bigot, il y avait un bateau pour lui, hein? pour le passage de M. Bigot, intendant et de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait des aménagements convenables pour lui et pour les personnes qu'il amènera. Il embarquera également ses papiers qui ne seront point visités, ses équipages, vaisselle et bagages et ceux de sa suite. À son arrivée, euh, Bigot est accueilli par Berryer et Choiseul, deux protégés de la marquise de Pompadour. Elle aussi cherchait des coupables. Et vous savez sans doute qu'ici, chez les Canadiens, après la conquête, on a longtemps répété c'est la faute à la Pompadour. Et si vous allez dans euh, Robert de Gaspé, il raconte à, à, deux, à deux endroits au moins c'est la faute à la Pompadour. Alors, Pompadour, comme elle avait des antennes, probablement en Amérique, elle aussi cherchait donc des coupables. Donc finalement, Bigot est un, un, un coupable tout désigné. En fait, son malheur à lui, ça aurait été d'être le dernier intendant. Donc, il fait l'objet d'une rafle. Il va y avoir un énorme procès. Et avec ses complices, il va être reconnu coupable de plein de trucs, condamné à des amendes, mais Bigot lui-même est condamné à l'exil. Tandis que Vaudreuil lui-même va finalement être arrêté, mis en prison. Mais après un certain temps, on va le disculper. Et finalement... Le roi a des remords et va lui remettre l'ordre de Saint-Louis, va lui voter un supplément de pension. Puis Choisel, Choisel qui s'était croisé les bras pendant tout ce temps-là, Choisel l'invite à manger. Et ça, on est à la fin de 1963, donc ils ont dû avoir pas mal de choses à se raconter. Voici un extrait de l'article 7 rédigé dans le traité de Paris. Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarté pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et François sur le continent de l'Amérique, il est convenu qu'à l'avenir, les confins entre les États de Sa Majesté britannique et ceux de Sa Majesté très chrétienne dans cette partie du monde seront irrévocablement fixés par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi depuis sa naissance jusqu'à la rivière d'Iberville et de là, par une ligne tirée au milieu de cette rivière et des lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'à la mer. Et à cette fin, le roi très chrétien cède en toute propriété et garantit à Sa Majesté britannique la rivière et le port de la Mobile et tout ce qu'il possède ou a dû posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l'exception de la ville de la Nouvelle-Orléans et de l'île dans laquelle elle est située, qui demeureront à la France. Bien entendu, que la navigation du fleuve Mississippi sera également libre tant au sujet de la Grande-Bretagne comme à ceux de la France dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu'à la mer. Fin de la citation. Vers, vers la fin des négociations, en 62, l'Espagne finalement décide de venir aider les Français. Et ça se tourne mal pour eux autres. Tout de suite, ça tourne mal. Et là, les Français ont un petit peu de remords. Parce qu'ils se disent, bon, ben écoute, là, ils sont en train de perdre la Havane, on va leur faire une, un petit prix de consolation, on va, leur laisser, on va leur laisser la Louisiane. Mais la Louisiane, en fait, là, c'est disputé parce que dans les discussions, là, le Canada euh, rend, euh, va être cédé parce que Choisel, son idée est faite, puis Pitt aussi, son idée est faite. Pitt exige. Pitt, il négocie pas, il impose. Hein? Et Choisel est prêt à laisser aller le Canada. Donc, mais il faut, il faut établir euh, où commence et où finit le Canada. Alors là, on brandit une carte, une carte qui aurait été euh, préparée à l'initiative ou sous les, la, la, les directives de Vaudreuil. Euh, Aldiman a envoyé cette carte-là en Europe en disant, voilà les frontières telles que tracées sous l'œil de M. Euh, Vaudreuil. Quand les Français voient ça, ils voient une frontière qui passe au sud des Grands Lacs, qui va contourner la Wabash, qui s'approche du Mississippi, le Canada, ça serait tout ça. Il ne faut pas oublier que Vaudreuil a été gouverneur de la Louisiane, et il connaît bien euh, ce territoire-là, et lui, il dit « non, non, ça, ça n'a rien à voir avec le Canada ». Alors, Vaudreuil va se défendre d'avoir autorisé cette carte-là, et puis Aldiman, lui, est mal pris, parce que là, la carte est rendue entre les mains des négociateurs. Amers est, est à New York, reçoit des instructions euh, de Bedford ou, ou peut-être de Pitt encore à ce moment-là, « Qu'est-ce que c'est cette histoire de carte? Racontez-nous comment ça s'est passé. » Et là, on a une correspondance entre euh, Aldiman et Amers. Amers est à New York, Aldiman, il y a une promotion, il est à trois hein? Alors, alors Amers écrit, euh, écrit en anglais à Aldiman, et Aldiman lui répond en français. Ça, j'ai déjà trouvé ça merveilleux. Alors, ça prépare un peu le terrain, parce qu'Aldiman est un Suisse francophone. Donc, les échanges de lettres, et là, Aldiman, il dit « Écoutez, je me suis fait avoir. » J'aurais dû lui faire mettre sa signature et ainsi de suite, mais euh, j'ai fait une erreur, ils ne me reprendront plus. Mais pendant ce temps-là, Vaudreuil lui dit, non, non, écoutez, cette carte-là n'est pas bonne. Alors les Français commencent à jouer les plus fins au moment de tracer les limites euh, en question. C'est vraiment un poème, ça dure pendant un an. Et les Français ont de bonnes cartes. Ils ont les cartes de Danville, les cartes de Delille. Alors, ils ont une bonne connaissance de l'embouchure du Mississippi, alors que les Anglais n'en ont pas de connaissance. Alors finalement, on décide, générosité suprême, d'aller jusqu'au Mississippi. Les Français disent, OK, on va, on va aller jusqu'au Mississippi. Mais secrètement, ils disent aux Espagnols, l'ouest du Mississippi, ça va être à vous autres. La ville de la Nouvelle-Orléans, ça va être à vous autres. Maintenant, comment on fait ça? Parce que la ville de la, la Nouvelle-Orléans est du côté est du Mississippi. Alors, connaissant vraiment bien euh, le territoire, Là, il remarque que finalement, il y a une rivière qui s'appelle la rivière d'Iberville. Vous descendez le Mississippi, vous tournez à gauche, c'est la rivière d'Iberville, vous arrivez dans le lac, euh, euh, lac euh, Maurepas, ensuite dans le lac Pontchartrain, puis ensuite dans le golfe du Mexique. Alors, ils disent, la frontière, c'est le Mississippi jusqu'à la rivière d'Iberville. Là, vous allez à gauche, Maurepas, Pontchartrain, le golfe. Correct, ça? Et, et c est, c est, Ils écrivent donc un, un des articles du traité de Fontainebleau, par lequel on remet secrètement à l'Espagne euh, le, le bassin ouest du Mississippi, mais avec cette frontière-là. Les Anglais, encore une fois, ils ne comprennent pas trop. Il y en a un, un allumé à un moment donné, puis ça c'est dans les textes, qui dira Au fait, là, euh, la rivière d'Uberville, est-ce euh, que c'est vraiment navigable? Ah, le Français dit Ah oh, oui. <laughs> duberville lui a laissé son nom. Hein? C'est évident. Puis il dit si jamais il y avait un problème, vous pourrez prendre le Mississippi jusqu'à jusqu l'embouchure. Euh, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous serez en territoire étranger, mais quand même, vous pourrez passer. Et on, en, le traité de Fontainebleau se fait comme ça, avec cette frontière-là. Et quand on arrive au traité de Paris, quelques semaines après, l'article 7 répète textuellement l'article en question, qui était le 6, je pense, dans le traité de Fontainebleau. Sauf que quand vous lisez, puis vous savez que le traité de Fontainebleau a eu lieu, vous savez que les Français ont cédé ce territoire-là aux Espagnols, vous vous dites ça ne marche pas, parce que le texte parle toujours d'une présence française, comme toujours, comme si c'était toujours la France qui était là. Puis vraiment, c'est un poème, hein, cette, ce texte-là. Mais la vérité, c'est que en faisant ça, les Français jouent un tour aux Anglais, mais en même temps, c'est qu'ils protègent l'île de la Nouvelle-Orléans, comme ils disent, et la ville de la Nouvelle-Orléans. Quand les Anglais s'en rendent compte, le temps, le temps a passé. Et ils s'en vont jusqu'à l'indépendance des États-Unis sans trop trop s'en rendre compte. Ils ont même essayé de fortifier là, le coin là, où on tourne à gauche, si vous voulez, à la, la rivière Berville. Et quand vous regardez de, le traité de Paris de 1783, c'est très ambigu. Au nord, ils ne savent pas très bien où finit, finit leur territoire. Puis au sud, bien, ils ne comprennent pas ce que je viens de vous expliquer. Sauf que... Sauf que le, les, les, les États-Unis se développent entre les Appalaches et le Mississippi. Le Kentucky et le Tennessee vont, vont se former. Et les gens de ces deux États-là, en puissance, euh, vont se dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous autres, normalement, notre débouché naturel, c'est par le Mississippi. On descend, puis tout d'un coup, là, on n'est plus chez nous. Puis quand on passe devant la Nouvelle-Orléans, normalement, on s'entend avec les autres, mais il reste que là, on a un problème. Puis, quand on apprend que Napoléon a exigé, que, là, Napoléon a dit aux Espagnols Écoutez, en 1762, on vous l'avait prêté. Là je, là, je reprends. Je reprends. Les Espagnols ne sont pas équipés pour résister à Napoléon, donc ils rendent, euh, ils rendent euh, euh, si vous voulez, euh, la Louisiane euh, aux Français. Là, les gars du Kentucky et du Tennessee disent Un instant, là. Avec les Espagnols, on avait trouvé des façons de s'arranger. Mais là, avec ce type-là, là, Napoléon, là, non, 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 un gros problème. Jefferson est dit « C'est vrai qu'ils ont un gros problème. » Et là, il envoie ses émissaires à Paris. Les émissaires ont des instructions. « Vous allez nous vendre la ville de Nouvelle-Orléans. » Autrement dit, « Vous allez nous vendre la rive est du Mississippi jusqu'à l'embouchure. » Napoléon apprend ça. Bon. Lui, il vient de d'une de de, de, tentative de reprendre le contrôle de Saint-Domingue. Et ça n'a pas marché. Son beau-frère est mort. Il a envoyé 20 000 hommes, il en a perdu 15 000 de fièvre et au combat. Pour lui, le Saint-Domingue, c'est l'horreur. Et, et là, là, les Américains qui, qui, qui ont encore des demandes, puis. Alors, Napoléon, dans, sur un coup de tête, va dire Qu'est-ce qu'il veut là? Il veut la ville de Nouvelle-Orléans? Parce que lui, c'était un peu sa base pour aller vers les Antilles. Mais à partir du moment où il cède la Ville de Lorléans, le reste, ça ne l'intéresse plus. Il dit qu'ils prennent donc tout. Rendez vous vous rendez-vous compte qu'ils prennent donc tout. Tout, là, c'est le bassin ouest du Mississippi. C'est les affluents du Mississippi jusqu'à leur source. Et c'est y compris le Mississippi jusqu'à sa source. Et c'est là que notre frontière entre le Canada et, et les États-Unis trouve sa source, justement. Parce que les Américains viennent d'acquérir le bassin ouest jusqu'aux sources et le Mississippi jusqu'à sa source. Et quand on va finalement, puis là, ça serait une autre conférence, mais quand on va finalement déterminer les frontières, ben on ne trouve pas mieux que de prendre. C'est l'énorme bassin sud du continent, hein, le bassin du Golfe du Mexique. Puis au nord, c'est le bassin de la baie du Ton. Ça a l'air énorme notre continent, là, mais il reste que vous avez au nord le bassin de la baie du Ton, puis au sud, le bassin euh, du, du Golfe du Mexique. Alors, tout ça, ça tourne, trouve son origine. Écoutez, là, c'est pas rien, hein, dans l'article 7 du traité de Paris. Vous comprendrez donc que j'ai voulu m'arrêter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour les Canadiens avec le fameux traité de Paris? Pontchartrain, qui, euh, qui avait dit en 1713 euh, aux, euh, aux Acadiens, ben, vous pouvez toujours aller à l'île du Cap-Breton, mais ben, il y a un imitateur. Choiseul, il se dit, au fond, euh, puis là, il avait commencé à en avoir quelques-uns qui s'étaient réfugiés, qui étaient rentrés en France dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? Écoutez bien ça. Choisel est un Français, en de Français. Et Choisel dit, bon, c'est des coloniaux. Il faudrait trouver des colonies où on pourrait les envoyer. Il ne lui vient pas à l'esprit que la France pourrait accueillir ces réfugiés canadiens. Et finalement, les Canadiens non plus, ils ne sont pas tellement bien, ils ne se sentent plus chez eux. Comme les Acadiens, d'ailleurs, qui sont réfugiés en France, ne se sentent pas bien en France. C'est pas. C'est pas passé tant de temps que ça, hein, mais il reste que c'est la réalité. Alors Choiseul aurait une idée de génie. Il dit on va démarrer une autre colonie euh, en Guyane. Et en l'espace de deux ou trois ans, il va faire partir 15 000 personnes pour la Guyane. Et là-dessus, il essaie de convaincre des Canadiens de partir pour la Guyane. Finalement, il y en a 92, d'après Robert Lorrain, qui vont partir pour la Guyane, qui est un, qui est un, un échec incroyable. Pendant les négociations du traité de Paris, les, il s'agissait de savoir, parce que c'est une guerre mondiale, il y a les Antilles, il y a l'Asie, euh, il y a l'Afrique, euh, l'Afrique, c'est pas de l'orieux, ils gardent l'île de Gorée. Je, je pense que vous savez à quoi servait l'île de Gorée. Hein? Euh, en Asie, ils gardent le Chandernagar, euh, Pond des ponts des Chéry, quelques postes comme ça, mais à condition de ne pas les, les fortifier. Au fond, je me suis rendu compte... c'est tout à l'heure, on l'a dit. le syndicat de rendu compte que Choiseul a mis sur la table un peu les ressources de, de l'Amérique en disant, bon, les fourrures. S'il si a lu le rapport de Bougainville, quand Bougainville est allé en mission en 59, Bougainville avait dit, écoutez, les fourrures, ça va dépérir tout le temps. C'est peut-être bon pour un siècle encore. C'est pas mal, hein? En 1759, il avait raison. Les fourrures, ça n'aura pas encore 100 ans de vie. Donc, c'est une ressource qui n'est pas, pas éternellement bonne. Le sucre, alors ça. Et les pêches. Alors finalement, Choiseul se retrouve avec euh, un choix à faire la fourrure, le poisson, le sucre. J'ai rappelé ici qu'en 67, quand euh, de Gaulle euh, rentre en France en avion et est assis avec euh, Jorgensen, c'est il il ce qu'il écrit d'ailleurs, le général euh, il fait dire à Jorgensen Mon général, vous avez payé la dette de Louis XV. Et moi, j'ajoute, il y aurait pu ajouter « et la dette de Choiseul », parce que finalement, celui-ci avait vraiment choisi la fourrure. Euh, le poisson, bien là, le traité de Paris renoue avec le traité, traité d'Utrecht et conserve l'accès aux pêches euh, dans les bancs de Terre-Neuve. Et William Pitt l'avait compris aussi. Et si William Pitt avait encore été là au, à la fin des négociations, à mon avis, les Français auraient perdu, la, les, auraient perdu les pêcheries de Terre-Neuve. Parce que Pitt, il voulait tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Pitt, c'est vraiment, c est, c est, cette, cette victoire-là, c'est la victoire de Pitt et un peu de William Johnson. Mais euh, il, il, est, il est un peu extrémiste aux yeux du nouveau roi, parce que George II a décidé de mourir, et, euh, et George III, lui, il, il décide, il voit ça autrement. Puis George III, c'est le premier roi d'Angleterre, je pense qu'il est né en Angleterre, en tout cas qui se sentait anglais. Et, et pour lui, là, il veut la paix. Il veut la paix. Alors il dit à Pitt, puis il demande à Laure Bio de venir s'occuper des affaires. Et Bio pense évidemment comme Georges III. Donc les autres sont pour la paix, parce qu'autrement les pêcheries au à mon avis, auraient dû faire un excès. Dessus. Reste le cas du sucre. Le sucre avec en prime le café, la vanille et le bois d'ébène. J'ai entre les mains un ouvrage de Philippe Boucher, un Américain, malgré son nom, en fait un Franco-Américain. Qui, euh, qui euh, fait le bilan. Je vais le lire. Les pertes coloniales de la France ne réduisirent en rien son intérêt pour le Nouveau Monde. En fait, jamais auparavant, écoutez là, jamais auparavant les, les Amériques n'attirèrent tant l'attention du public et de façon si appropriée. En strict terme économique, la période comprise en 1761 et 1789, Fut la plus productive de toute l'époque coloniale de l'ancien la, régime. Les îles, en particulier Saint-Domingue, procurèrent en France des richesses dépassant largement celles des époques précédentes. Non seulement Saint-Domingue doubla sa production de sucre, mais elle atteignit environ 40 de la production sucrière mondiale et 50 pour le café. Pour Choiseul contre les bouchers. « Comme pour tous les ministres français depuis Colbert, les précieuses Antilles dépassaient en importance toutes les autres possessions coloniales. » C'est incroyable ce texte-là. J'ai vérifié, je dis, Le Boucher, exagère peut-être, il veut, euh, parce que euh, comme on, on les traite de haut, les Franco-Américains, il a voulu prendre une petite revanche probablement sur les Québécois pour dire « Écoutez, là, vous autres, vous pensez que c'est un drame pour euh, la France de perdre le Canada. » hein, ça, ça leur coûtait plus cher que ça leur apportait. Voltaire l'avait d'ailleurs bien dit. Alors, euh, non. Et, mais les Antilles, par exemple. Alors… Il écrit ici là, la période la plus prospère de l'histoire coloniale française. C'est entre le traité de Paris et, et la Révolution française. Et je pense que c'est exact. Qu'est-ce qui se passe en 1763 pour nous? La province de Québec marque du conquérant. Il semble bien que Voltaire, qui, selon la légende, avait des intérêts dans les Antilles, avait, avait raison d'écrire ⁇ La France peut être heureuse sans Québec ⁇ À l'opposé, le Québec pouvait-il être heureux sans la France C'est en somme la question posée à propos du 10 février 1763, une des dix journées identifiées comme ayant fait le Québec. Les malins diront, je l'ai entendu, une journée qui a plutôt défait le Québec. Défait au point d'engendrer une grande confusion dans les noms même. Voltaire parle de Canada et de Québec. Par l'article 4 du traité de Paris, la France cède le Canada avec toutes ses dépendances. L'historien Frégo constate qu'en 1763, il reste encore des Canadiens. Il ne reste plus de Canada. La proclamation royale du 8 octobre 1763 le confirme froidement. Londres crée une nouvelle colonie en Amérique du Nord. Aux 13 colonies, devenues 14 avec l'acquisition de la Nouvelle-Écosse, s'ajoute donc maintenant le gouvernement de Québec, la 15e colonie. Le 14 novembre 1763, James Murray, reçoit sa commission de, textuellement, gouverneur en chef de la province de Québec. Province et colonie sont synonymes. L'aliénation des Canadiens est si profonde que, 250 ans plus tard, leurs descendants continueront fièrement de se dire de la province de Québec. Effectivement. Le mot Canada disparut des textes juridiques officiels comme si la Grande-Bretagne avait voulu rompre tout lien avec le passé du pays. Peut-on lire sur le site de l'Aménagement Linguistique du Canada? À partir du traité de Paris et jusqu'en 1791, le Canada, réduit désormais à la seule vallée du Saint-Laurent, sera officiellement appelé Province of Quebec, le mot province désignant une colonie. De plus, dans l'usage officiel, les autorités britanniques parleront plutôt de nouveaux sujets plutôt que d'utiliser le terme canadien par opposition aux anciens sujets de Sa Majesté. Dans la vie quotidienne, le titre de Canadien demeurera durant les décennies suivantes l'apanage exclusif des descendants des Français, les autres étant désignés comme des Anglais. Le traité de Paris a été rédigé en français, alors la langue de la diplomatie internationale. C'est donc un document officiel rédigé en français. Qui a fait du Canada une colonie britannique? Frigo a les meilleurs textes sur cet épisode-là. Dans la guerre de la conquête, il écrit ceci, je, je le cite En 1763, un monde anglais s'est refermé sur les Canadiens, sans pourtant qu'ils se fondent en lui, car il s'est créé contre eux et se développe sans eux, ce monde anglais. Et leur propre armature sociale ayant été tronquée, en même temps que secoués sur ses bases, ils ne forment plus qu'un résidu humain, dépouillés de la direction et des moyens sans lesquels ils ne sont pas à même de concevoir et de mettre en œuvre la politique et l'économie qu'il leur faut. Leur condition ne résulte pas d'un choix qu'ils auraient fait. Ils n'ont guère eu de choix. Elle est la conséquence directe de la conquête qui a disloqué leur société, supprimé leur cadre et affaibli leur dynamisme interne, si bien qu'elle s'achève en eux. Frégo dira. Dans les Canadiens d'après la conquête, je ne reconnais pas ceux d'avant la conquête. Avant la conquête, c'était des, des, des guerriers, des bagarreurs, de farouches combattants. Puis il dit depuis, il, dit, il y a un seul, un seul point sur lequel les Canadiens, devenus les Québécois, sont entendus, c'est finalement le refus de porter les armes. C'est vrai qu'on est devenu antimilitariste. Hein? Puis là, il pense surtout aux conscriptions, mais c'est la réalité. La Frigo est en pleine controverse sur la conquête. La controverse sur la conquête, autour de la conquête, s'est estompée ces dernières années. L'histoire est devenue abstraite, sans événements, sans personnages. On étudie les tendances. Certains, dont les auteurs de programmes scolaires, se sont employés à un découpage qui ignore la conquête. Dans leur brève histoire socio-économique du Québec que Septentrion a édité, Young et Dickinson proposent l'étude de la société post-industrielle et l'économie de 1650 à 1815. La monumentale histoire de Québec et de la région, dirigée par Marc Valière, sauve avec un chapitre qui va des origines à 1791. C'est quand même incroyable. Cet effort préfacé de la mémoire collective du traité de Paris est bien réel. Pour les jovialistes, il n'y a eu ni conquête militaire, ni abandon. Ni cession par la France le 10 février 1763. La colonisation s'est poursuivie. Seule différence, l'Angleterre a pris le relais de la France. Rien de plus. Il n'y a eu ni massacre, ni, ni, ni déportation, ni même de mise en état de subordination politique. Il n'est même pas certain qu'il y a eu une guerre. À retenir plutôt que les nouveaux maîtres ont jugé essentiel de conserver la population canadienne. Il fallait bien, autrement, ces pays-là ne valaient pas cher. Au début des négociations, l'été 61, Choiseul s'était étonné auprès de son interlocuteur britannique de l'intransigeance de Pitt face au sort du Canada. Choiseul lui-même n'était pas trop sûr, mais il dit il tient bien au Canada, lui. Et parce que Choiseul disait si on se retire nous, d'Amérique, si on n'est plus au Canada, on ne sera pas là pour supporter les Canadiens et les Indiens qui harcèlent les colonies anglaises sans arrêt, qui fait que les colonies anglaises sentent le besoin d'être protégées par la Grande-Bretagne. Mais si la France n'est plus là, les Canadiens laissaient eux-mêmes, les, les Indiens neutralisés. Qu'est-ce qui va arriver Et on raconte qu'au moment de signer le traité de Paris devant le duc de Bedford, il aurait dit à son entourage :« On les tient, nous les tenons. » Et effectivement, en 20 ans, entre 1763 et 1783, 20 ans, finalement, c'est ce qui va être C'est ce qui va arriver. C'est que les Américains vont se dire, non, non, on n'a pas besoin. D'abord, les Britanniques vont faire quelques erreurs en imposant des taxes, des choses comme ça. Mais il reste que euh, vous avez donc l'indépendance des États-Unis qui se fait. Ce qui fait que les Canadiens vont se retrouver, avec l'indépendance des États-Unis, vont se retrouver dans la partie britannique de l'Amérique du Nord. Au fond, on a un premier ministre du Canada qui a compris ça, là. Hein? On, on, se retrouve dans, on se retrouve donc dans la partie britannique. En un sens, c'est une chance. En un sens, c'est une chance. Il faut toujours voir le positif. Hein? Alors, si on, était, on avait été intégré dans les États-Unis, les gens disent, ben, on serait devenu une deuxième Louisiane. Tandis que là, on est, à, on est dans l'autre partie. Les premiers immigrants anglais qu'on reçoit, ils ne viennent pas de Grande-Bretagne. Il y en a presque pas qui viennent. Vous savez, entre 1763 et l'arrivée des premiers loyalistes, on a eu le temps de doubler notre nombre. Hein? La, la population double à tous les 25 ans, à peu près. Les premiers loyalistes qui arrivent disent Ah, des catholiques, pas le français. On a quitté les États-Unis, pour différentes raisons, mais pas pour se retrouver dans une colonie française et catholique. Ils exigent une séparation. Les premiers séparatistes, c'est les loyalistes qui arrivent dans la province de Québec, parce que ça s'appelle la province de Québec. Ils exigent une séparation. On leur crée le Haut-Canada. Et là, les Canadiens ont encore une chance. C'est qu'ils ils ont augmenté en nombre, puis là, ils se retrouvent non seulement dans la partie la plus faible d'Amérique du Nord, mais on leur taille un petit coin, hein, le Bas-Canada, pour, euh, pour s'initier au parlementarisme. L'analyse de Maurice Séguin était toute simple, mais elle semble s'être perdue au cours des ans. La Nouvelle-France n'avait pas atteint l'âge adulte, disait Séguin. Elle avait encore besoin de protection et de soutien. Elle a été sevrée prématurément. Sa survie a été confiée à une belle-mère, disons, compréhensive. Tolérante, mais d'une autre langue, d'une autre culture, qui a continué à avoir plein d'enfants et même à en adopter continuellement. Évidemment, le premier lit n'existait plus. Autrement dit, l'immigration française s'était tarie. Les Canadiens ont finalement renoncé à leur appellation. Ils sont devenus des Québécois. Ils ont continué à intégrer des gens de toute origine. Les, les généalogistes le savent bien. Ils en trouvent partout dans leur généalogie, des gens de toute origine. Le Québec a toujours été, et Pierre-Marc est un bel exemple, le Québec a toujours été un creuset méconnu. Son problème au Québec, ce ne sont pas les autres, mais l'autre qui se substitue à la métropole britannique et qui le traite en province. Merci. 10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous à Vox et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine.